Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h. Racine, cela peut se jouer un peu comme de la musique de chambre. Roland Barthes. Bien, je dirais que ça peut se jouer aussi un peu comme un oratorio. Et au fond, on admettrait bien d'entendre seulement la première partie du Messie de Handel. Eh bien, de la même façon, on peut très bien admettre d'entendre uniquement deux actes d'Andromaque. Ça peut pas faire de mal. Au fond, l'histoire d'Andromaque, il n'y a aucun suspense. On sait comment ça finit, tout le monde sait comment ça finit. Par conséquent, l'intérêt et l'investissement dans la pièce portent évidemment sur autre chose que sur l'issue de l'histoire. Par conséquent, moi j'admets très très bien qu'on représente des fragments de Racine. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal. Dans le théâtre français classique et singulièrement chez Racine, les gestes tendent à disparaître, au profit du langage, a-t-on dit. Il faut ajouter au profit du regard. Si les personnages ne s'étreignent ni ne se frappent sur scène, en revanche, ils se voient. Les scènes chez Racine sont des entrevues, mais les regards échangés ont valeur d'étreintes et de blessures. Ils troublent les âmes. Le verbe « voir » chez Racine contient ce battement entre le trouble et la clarté, entre le savoir et l'égarement, entre l'ombre et la lumière. On lit dans une lettre de jeunesse datée d'Uzès « J'allais voir le feu de joie qu'un homme de ma connaissance avait entrepris. Il y avait tout autour de moi des visages qu'on voyait à la lueur des fusées et dont vous auriez bien eu tant de peine à vous défendre que j'en avais. Des visages qui apparaissent dans la nuit à la lumière des flammes. Il semble que ce soit là un thème favori de la rêverie racinienne. La lettre d'Uzès décrit ce qui restera pour Racine une situation archétype. Le premier regard sur un être dont l'image s'éclaire sur fond nocturne. Tant d'exemples s'offrent. Andromaque n'a pas oublié. Figure-toi, Pyrrhus. Les yeux de Pyrrhus étincelant dans la lueur de l'immense incendie de Troie. Sur tous mes frères morts, se faisant un passage, et de sang tout couvert échauffant le carnage. À la lumière des torches, Néron voit pour la première fois Junie levant au ciel ses yeux mouillés de larmes. Dans une autre nuit enflammée, Bérénice voit tous les regards se tourner vers Titus. Ce bûcher, cette nuit enflammée, ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée, cette foule de rois, ces consuls, ce sénat, qui tous de mon amant empruntaient leur éclat. Chacun de ces regards nocturnes a la valeur d'un événement premier. C'est le moment originel où la fatalité prend naissance. Les personnages raciniens le savent, tout a commencé par ces rencontres dans la nuit. Ce qui a déterminé leur destin, c'est d'avoir vu ses yeux et de n'avoir plus pu se séparer de leur image. Chaque fois, il eût mieux valu ne pas avoir vu. C'était un spectacle interdit. Cette image inattendue du jeune Racine, futur protégé de Louis XIV, assis devant un feu de joie, est née sous la plume d'un intellectuel de renom disparu au printemps dernier. Il s'agit de Jean Starobinski, auteur d'un célèbre essai « L'œil vivant » publié en 1961. C'est ce théâtre d'ombre, ces êtres tremblants à la flamme de leur passion, que je vous invite à découvrir ce soir à travers les grandes tragédies de Racine, d'Andromaque à Phèdre en passant par Britannicus, écrite en seulement 10 ans, entre 1667 et 1677, ces pièces marquent l'apogée du dramaturge devenu un familier de la cour. Après Phèdre en 1677, le poète abandonnera le théâtre pour devenir l'historiographe officiel du Roi Soleil. Pour aborder ce répertoire prestigieux, j'ai le plaisir de recevoir une magnifique comédienne, inoubliable interprète de Claudel dans les mises en scène d'Antoine Vitez, Ludmila Michael. Bonsoir Guillaume. Amoureuse des grands auteurs, Claudel bien sûr, mais aussi de Shakespeare, Hugo, Musset, vous avez incarné les plus beaux personnages classiques chez Molière, Corneille, Racine. Chimène dans le Cid vous laisse un souvenir difficile, un rôle injouable, confiez-vous. Votre préférence va à Racine.
qu'il faut jouer comme un funambule, toujours sur la corde des sentiments contradictoires. Racine qui vous offrira vos grands succès dans les rôles de Junie, Phèdre, puis Bérénice, sous la direction d'un metteur en scène que j'admire, Klaus-Michael Gruber. En votre compagnie, Ludmila, nous allons faire entendre quelques-unes de ces grandes voix tragiques qui ont marqué votre carrière et qui continuent de fasciner. Évoquons vos débuts. Élève au conservatoire, vous remportez un prix d'interprétation grâce au rôle d'Hermione, dans Andromaque. Un prix qui vous ouvre les portes de la comédie française à l'âge de 19 ans. Écrite en 1667 pour Mademoiselle Duparc, une comédienne de la troupe de Molière devenue la maîtresse de Racine, la pièce bouleverse les codes de l'époque. Pour la première fois, une tragédie traite de la passion humaine et non plus de l'héroïsme comme chez Corneille. L'intrigue se résume en un cercle infernal. Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Nous sommes à l'acte 4, scène 5. Pyrrhus est tombé amoureux de sa captive Andromaque, la veuve d'Hector, et s'apprête à l'épouser. Dans la scène suivante, il vient annoncer à Hermione sa promise qu'il rompt leurs fiançailles et trahit le pacte avec les Grecs. Voici cette scène de rupture violente où les regards s'évitent et les mots s'aiguisent. Vous ne m'attendiez pas, madame, et je vois bien que mon abord ici trouble votre entretien. Je ne viens point armé d'un indigne artifice, d'un voile d'équité couvrir mon injustice. Il suffit que mon cœur me condamne tout bas, et je soutiendrai mal ce que je ne crois pas. J'épouse une Troyenne, oui, madame, et j'avoue que je vous ai promis la foi que je lui voue. Un autre vous dirait que dans les champs troyens, nos deux pères sans nous formèrent ces liens, et que sans consulter ni mon choix ni le vôtre, nous fûmes sans amour engagés l'un à l'autre. Mais c'est assez pour moi que je me sois soumis. Par mes ambassadeurs, mon cœur vous fut promis. Loin de les révoquer, je voulus y souscrire. Je vous vis avec eux arriver en épire. Et quoique d'un autre œil l'éclat victorieux eût déjà prévenu le pouvoir de vos yeux, je ne m'arrêtai point à cette ardeur nouvelle. Je voulus m'obstiner à vous être fidèle. Je vous reçus en reine, et jusque à ce jour, j'ai cru que mes serments me tiendraient lieu d'amour. Mais cet amour l'emporte, et par un coup funeste, Andromaque m'arrache un cœur qu'elle déteste. L'un par l'autre entraînés, nous courons à l'autel, nous jurer malgré nous un amour immortel. Après cela, madame éclatait contre un traître, qui l'est avec douleur et qui pourtant veut l'être. Pour moi, loin de contraindre un si juste courroux, il me soulagera peut-être autant que vous. Donnez-moi tous les noms destinés aux parjures. Je crains votre silence et non pas vos injures. Et mon cœur, soulevant mille secrets témoins, m'en dira d'autant plus que vous m'en direz moins. Seigneur, dans cet aveu dépouillé d'artifice, j'aime à voir que, du moins, vous vous rendiez justice et que, voulant bien rompre un nœud si solennel, vous vous abandonniez au crime, en criminel. Est-il juste, après tout, qu'un conquérant s'abaisse sous la servile loi de garder sa promesse? Non, non, la perfidie a de quoi vous tenter, et vous ne me cherchez que pour vous en vanter. Quoi, sans que ni serment ni devoir vous retiennent, rechercher une grecque amant d'une troyenne, me quitter, me reprendre, et retourner encore de la fille d'Hélène à la veuve d'Hector, couronner tour à tour l'esclave et la princesse, immoler Troie aux Grecs, au fils d'Hector, la Grèce. Tout cela part d'un cœur toujours maître de soi, d'un héros qui n'est point esclave de sa foi. Pour plaire à votre épouse, il vous faudrait peut-être prodiguer les doux noms de parjure et de traître. Vous veniez de mon front observer la pâleur pour aller dans ses bras rire de ma douleur. Pleurant après son char, vous voulez qu'on me voie? Mais Seigneur, en un jour, ce serait trop de joie. Et sans chercher ailleurs des titres empruntés, ne vous suffit-il pas de ceux que vous portez? Du vieux père d'Hector, la valeur abattue aux pieds de sa famille, expirant à sa vue, tandis que dans son sein, votre bras enfoncé cherche un reste de sang que l'âge avait glacé, dans des ruisseaux de sang, Troie ardente plongée. De votre propre main, Polyxène égorgé aux yeux de tous les Grecs,
indigné contre vous, que peut-on refuser à ces généreux coups ? Madame, je sais trop à quel excès de rage la vengeance d'Hélène emporta mon courage. Je puis me plaindre à vous du sang que j'ai versé, mais enfin je consens d'oublier le passé. Je rends grâces au ciel que votre indifférence de mes heureux soupirs m'apprenne l'innocence. Mon cœur, je le vois bien, trop prompt à se gêner, devait mieux vous connaître et mieux s'examiner. Mes remords vous faisaient une injure mortelle. Il faut se croire aimé pour se croire infidèle. Vous ne prétendiez point m'arrêter dans vos fers. Je crains de vous trahir, peut-être je vous sers. Nos cœurs n'étaient point faits dépendants l'un de l'autre. Je suivais mon devoir et vous cédiez au vôtre. Rien ne vous engageait à m'aimer en effet. Je n'étais point aimée, cruelle. Qu'ai-je donc fait ? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes. Je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces. J'y suis encore, malgré tes infidélités et malgré tous mes Grecs honteux de mes bontés. Je leur ai commandé de cacher mon injure. J'attendais en secret le retour d'un parjure. J'ai cru que tôt ou tard à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. Je t'aimais inconstant. Qu'aurais-je fait, fidèle ? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas, ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas. Mais Seigneur, s'il le faut, si le ciel en colère réserve à d'autres yeux la gloire de vous plaire, achevez votre hymen, j'y consens. Mais du moins, ne forcez pas mes yeux d'en être les témoins. Pour la dernière fois, je vous parle peut-être, différez-le d'un jour, demain, vous serez maître. Vous ne répondez point. Perfide, je le vois, tu comptes les moments que tu perds avec moi. Ton cœur, impatient de revoir ta Troyenne, ne souffre qu'un regret qu'un autre t'entretienne. Tu lui parles du cœur, tu la cherches des yeux, je ne te retiens plus. Sauve-toi de ces lieux, va lui jurer la foi que tu m'avais jurée. Va profaner des dieux la majesté sacrée. Ces dieux, ces justes dieux n'auront pas oublié que les mêmes serments avec moi t'ont lié. Porte au pied des autels ce cœur qui m'abandonne. Va, cours. Mais crains encore d'y trouver Hermione. Si Racine excelle dans l'exaltation de la passion, celle-ci ne se résume pas au seul sentiment. Écoutons à présent la leçon d'un grand maître de théâtre, professeur au conservatoire de 1934 à 1941, Louis Jouvet, a laissé des notes de cours consacrées à Molière, Racine, Corneille, Musset. Mais dépêchez-vous, mes enfants, qu'est-ce que vous attendez ? Je n'en puis comparer le lointain souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève et qu'on voit s'évanouir avec la rosée. Et qu'avec la rosée, on voit s'évanouir. Tu donneras ta scène quand tu la sauras et que tu ne feras plus de faux verres. Il y a au théâtre, comme dans l'épicerie, une honnêteté professionnelle qui consiste à ne pas tromper le public. Il faut d'abord savoir son texte. Si tu voles ici une rime, ailleurs un alexandrin, le public finira par se percevoir qu'il n'y a pas le poids et tu perdras ta clientèle. Va à ta place. Et la prochaine fois, n'oublie pas de mettre la rosée au début et l'évanouissement à la fin. En 1936, il déclarait, avec le goût de la provocation qui lui était propre, « L'intérêt du conservatoire est de vous empoisonner avec des trucs dont vous ne comprenez pas l'utilité immédiate, qui cependant sont nécessaires. » Retrouvons le metteur en scène au milieu de ses élèves en pleine répétition d'Andromaque de Racine, à l'hiver 1939-1940. En pleine guerre, l'artiste continue à transmettre ce qui lui semble essentiel, la grandeur et l'humilité du théâtre. Maintenant que tu viens de jouer cette scène, que sens-tu ? Je le prends trop à mon compte. C'est parfait ce que tu dis. Cela devient très passionné, mais d'une façon commune, trop vrai, trop n'importe qui. C'est du Zola, ce n'est plus de Racine, tu comprends ? À la fin, je ne sentais plus la scène, alors je la jouais avec ma sincérité. Tu n'as pas besoin de t'occuper de la sincérité. Le personnage doit toujours être impersonnel dans la tragédie. Le mot de personnage veut dire masque. Persona, en latin, signifie le masque, le personnage. Dans la tragédie, ce ne sont même plus des personnages, ce sont des héros. Ils sont bien au-dessus de la sincérité personnelle qu'on peut mettre dans les rôles ordinaires. Tu veux être sincère et ta passion à toi amoindrit le personnage. Cela devient de la comédie. Donne le même sentiment, mais dans la noblesse. On humanise toujours trop les héros de tragédie. Mais en tragédie, il faut tout de même avoir du sentiment, du foyer.
C'est d'abord mécanique. La phrase contient tout, la respiration, le sentiment. La phrase est le fait de l'auteur. Quand tu marches sur le bord de la mer, tu vois dans le sable des pas qui ont été tracés par quelqu'un qui est passé avant toi. Suis ces pas et tâche de les reproduire exactement, d'en reformer l'empreinte. Au bout d'un certain temps, tu auras certainement le rythme de celui qui a marché devant toi, c'est-à-dire exactement le temps qu'il a mis à marcher, et pas seulement le rythme. Si c'est à la même heure, par le même temps, étant donné que le paysage est le même, tu dois être atteint par un même sentiment. Le texte ne doit pas être pris comme un réceptacle pour les sentiments du comédien, mais comme le réceptacle d'un sentiment qui doit venir tout seul, si le texte est dit comme il doit l'être. La première des choses au théâtre, c'est le texte, et non pas ce qu'on en fait. Regarde par quel miracle extraordinaire un personnage comme Don Juan, comme Oreste, vit encore. Il n'a presque pas besoin de toi pour vivre. C'est cela qui est le miracle du théâtre. Retrouvons Racine et voyons comment la passion engendre la cruauté. C'est tout le sujet de Britannicus, la première tragédie romaine de Racine, écrite en 1669. L'auteur y décrit un monstre naissant, le jeune Néron, qui à l'âge de 17 ans s'affranchit de la tutelle de sa mère, Agrippine, pour laisser libre cours à ses pulsions tyranniques. On retrouve le même cercle infernal. Néron aime Junie, qui aime Britannicus, qui va mourir. Nous voici à l'acte 2. Alors que Junie refuse la proposition de mariage de Néron, celui-ci, sous menace de mort, contraint Junie à revoir Britannicus pour lui signifier qu'elle ne l'aime plus. Caché derrière un rideau, Néron, le manipulateur, observe la scène. Je vous invite à retrouver ce personnage de Junie, que vous connaissez bien, Ludmila Mickaël, pour l'avoir interprété sous la direction de Jean-Pierre Mickaël à la Comédie Française. Je vous donnerai la réplique d'abord dans le rôle de Néron, puis dans celui de Britannicus. N'accusez point ici mon choix d'aveuglement. Je vous réponds de vous. Consentez seulement. Du sang dont vous sortez, rappelez la mémoire. Et ne préférez point à la solide gloire des honneurs dont César prétend vous revêtir, la gloire d'un refus sujet au repentir. Le ciel connaît, Seigneur, le fond de ma pensée. Je ne me flatte point d'une gloire insensée. Je sais de vos présents mesurer la grandeur, mais plus ce rang sur moi répandrait de splendeur, plus il me ferait honte et mettrait en lumière le crime d'en avoir dépouillé l'héritière. C'est de ses intérêts prendre beaucoup de soin, madame, et l'amitié ne peut aller plus loin. Mais ne nous flattons point et laissons le mystère. La sœur vous touche ici beaucoup moins que le frère, et pour Britannicus... Il a su me toucher, Seigneur, et je n'ai point prétendu m'en cacher. Cette sincérité sans doute est peu discrète, mais toujours de mon cœur ma bouche est l'interprète. Absente de la cour, je n'ai pas dû penser, Seigneur, qu'en art de feindre il fallut m'exercer. J'aime Britannicus. Je lui fus destinée quand l'Empire devait suivre son Hyménée. Mais ces mêmes malheurs qui l'en ont écarté, ses honneurs abolis, son palais déserté, la fuite d'une cour que sa chute a bannie, sont autant de liens qui retiennent Junie. Tout ce que vous voyez conspire à vos désirs, vos jours, toujours sereins, coulent dans les plaisirs. L'Empire en est pour vous l'inépuisable source, ou si quelque chagrin en interrompt la course, tout l'univers, soigneux de les entretenir, s'empresse à l'effacer de votre souvenir. Britannicus est seul. Quelque ennui qui le presse, il ne voit dans son sort que moi qui s'intéresse, et n'a pour tout plaisir, Seigneur, que quelques pleurs qui lui font quelquefois oublier ses malheurs. Et ce sont ses plaisirs et ses pleurs que j'envie, que tout autre que lui me paierait de sa vie. Mais je garde à ce prince un traitement plus doux. Madame, il va bientôt paraître devant vous. Ah, Seigneur, vos vertus m'ont toujours rassuré. Je pouvais de ces lieux lui défendre l'entrée, mais madame, je veux prévenir le danger où son ressentiment le pourrait engager. Je ne veux point le perdre. Il vaut mieux que lui-même entende son arrêt de la bouche qu'il aime.
Si ces jours vous sont chers, éloignez-le de vous, sans qu'il ait aucun lieu de me croire jaloux. De son bannissement, prenez sur vous l'offense, et soit par vos discours, soit par votre silence, du moins par vos froideurs, faites-lui concevoir qu'il doit porter ailleurs ses vœux et son espoir. Moi, que je lui prononce un arrêt si sévère, ma bouche mille fois lui jura le contraire. Quand même jusque-là je pourrais me trahir, mes yeux lui défendront, Seigneur, de m'obéir. Caché près de ces lieux, je vous verrai, madame. Renfermez votre amour dans le fond de votre âme, vous n'aurez point pour moi de langage secret. J'entendrai des regards que vous croirez muets, et sa perte sera l'infaillible salaire d'un geste ou d'un soupir échappé pour lui plaire. Ah, Seigneur ! Il arrive, je vous laisse. Sa fortune dépend de vous plus que de moi, madame. En le voyant, songez que je vous vois. Ah, cher Narcisse, cours au-devant de ton maître. Dis-lui, je suis perdu et je le vois paraître. Madame, quel bonheur me rapproche de vous. Quoi, je puis donc jouir d'un entretien si doux? Mais parmi ce plaisir, quel chagrin me dévore? Hélas, puis-je espérer de vous revoir encore? Faut-il que je dérobe avec mille détours un bonheur que vos yeux m'accordaient tous les jours? Quelle nuit, quel réveil! Vos pleurs, votre présence n'ont point de ces cruelles désarmées l'insolence. Que faisait votre amant? Quel démon envieux m'a refusé l'honneur de mourir à vos yeux? Hélas, dans la frayeur dont vous étiez atteinte, m'avez-vous en secret adressé quelque plainte? Ma princesse, avez-vous daigné me souhaiter? Songiez-vous aux douleurs que vous m'alliez coûter? Vous ne me dites rien? Quel accueil, quelle glace! Est-ce ainsi que vos yeux consolent ma disgrâce? Parlez, nous sommes seuls. Notre ennemi, trompé, tandis que je vous parle, est ailleurs occupé. Ménageons les moments de cette heureuse absence. Vous êtes en des lieux tout pleins de sa puissance. Ces murs même, Seigneur, peuvent avoir des yeux, et jamais l'empereur n'est absent de ces lieux. Et depuis quand, madame, êtes-vous si craintive? Quoi, déjà votre amour souffre qu'on le captive? Qu'est devenu ce cœur qui me jurait toujours de faire à Néron même envier nos amours? Mais bannissez, madame, une inutile crainte. La foi dans tous les cœurs n'est pas encore éteinte. Chacun semble des yeux approuver mon courroux. La mère de Néron se déclare pour nous, Rome de sa conduite elle-même offensée. Ah, Seigneur, vous parlez contre votre pensée. Vous-même, vous m'avez avoué mille fois que Rome le louait d'une commune voix. Toujours à sa vertu, vous rendiez quelque hommage. Sans doute la douleur vous dicte ce langage. Ce discours me surprend, il le faut avouer. Je ne vous cherchais pas pour l'entendre louer. Quoi, pour vous confier la douleur qui m'accable? À peine je dérobe un moment favorable, et ce moment si cher, madame, est consumé à louer l'ennemi dont je suis opprimé. Qui vous rend à vous-même en un jour si contraire? Quoi, même vos regards ont appris à se taire? Que vois-je? Vous craignez de rencontrer mes yeux. Néron vous plairait-il? Vous serais-je odieux? Ah, si je le croyais, au nom des dieux, madame, éclaircissez le trouble où vous jetez mon âme. Parlez, ne suis-je plus dans votre souvenir? Retirez-vous, Seigneur. L'empereur va venir. Après ce coup, Narcisse, à quoi dois-je m'attendre? Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
jouet d'un sort impitoyable, un cœur toujours... Racine, ça n'a rien à voir avec un mode d'écriture débridé, baveux, sentimental. Enfin, c'est au contraire une écriture absolument concertée, entièrement pensée, entièrement raisonnée. Antoine Vitesse. Il y a quelque chose là qui est ressorti à la froideur, cette fameuse froideur, qui en réalité, généralement, pour moi, est ce qu'il y a de plus chaud. C'est là, généralement, que je trouve le plus de chaleur, c'est dans cette froideur, dans ce sorbet au feu. Revenons au jeu et à la direction d'acteur. Nous voici à nouveau en compagnie de Louis Jouvet au Conservatoire de Paris. Avec son ton légendaire, il adresse de vives critiques à une jeune comédienne qui vient d'interpréter le rôle de Junie. Au milieu de ses invectives, il glisse de précieux conseils qui rejoignent curieusement l'analyse de Jean Starobinski en termes d'éclairage et de regard. Ce n'est pas ça. Pourquoi n'est-ce pas ça? Je ne sais pas. Je sais qu'on ne conçoit pas Junie comme moi. Je crois, moi. J'ai l'impression que Junie n'est pas une petite fille. Qu'est-ce que tu veux dire? On dit toujours que Junie tremble devant Nero. Non, elle se défend et elle défend Britannicus. Tu t'embrouilles. Tu raisonnes ton personnage d'avance. Tu fais de la psychologie. D'abord, ce n'est pas notre rôle à nous, comédiens, de faire du commentaire ou de la conception de personnage. On a ce défaut quand on commence à jouer. Il ne faut pas faire cela. Tu n'apprendras pas ton métier. C'est beaucoup plus simple. Il y a une technique. Occupe-toi d'abord de la technique. Quand tu pourras quitter cette maison et t'en aller dans la vie, muni d'un certain nombre d'aphorismes, de préceptes et de bobards que j'ai pu te dire ici, alors tu pourras dire, pour moi, Junie, c'est... Mais il vaudra encore mieux t'en dispenser, car les personnages classiques sont ce qu'on veut. Junie, suivant l'époque, a été une jeune vierge martyr ou une jeune républicaine. Un personnage classique est un phare tournant. Suivant la position où on se trouve, par rapport au phare, on subit certains éclats qui vous illuminent. Junie te touchera par certains reflets sensibles et humains que tu recevras du personnage parce que tu es toi. Junie a touché, il y a 50 ou 100 ans, des acteurs, des comédiens, des lecteurs, des spectateurs par des reflets qui les ont illuminés. Il y a dans les personnages classiques toutes ces possibilités. Aussi, laisse tes conceptions pour plus tard, quand tu seras vieille, que tu auras de l'autorité et de la gloire. Pour l'instant, occupe-toi tout simplement d'abord de jouer. Aborder un personnage avec déférence, avec humilité, avec amour, en te disant que Junie, ce n'est pas toi. Au point de vue technique, que penses-tu de ce que tu viens de faire? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. J'aime mieux que tu me répondes ainsi. Ce qui est le plus important, c'est ton attitude devant le personnage. Jouer la comédie est un exercice physique, d'autant plus qu'ici, on est dans la tragédie. La tragédie, c'est du sport. Tu es en scène et tu ne nous intéresses pas du tout. Tu regardes le plancher. Tu joues pour un sentiment personnel que tu éprouves. C'est un sentiment de lecteur. Ce sont des sentiments personnels, égoïstes. Le sentiment de l'acteur, quand il joue la comédie, est un sentiment généreux. Il faut éprouver pour les autres, pas pour soi. Tiens-toi droite. Expose-toi au regard du public comme au regard de Néron. Mets tes yeux dans la salle et donne-nous le témoignage. C'est-à-dire l'expression de ce qu'est Junie devant Néron. Mais j'ai vraiment l'impression que j'explique et que j'essaie de vous faire comprendre. Mais parce que tu le prends à ton compte. Jouer la comédie, c'est venir à la place d'un personnage témoigner pour lui devant le public. C'est pas le prendre à son compte et en jouir. Ah, cruel. Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas! C'est la dernière pièce que vous jouez, Salle Richelieu, pendant 3 saisons sous la direction d'un génie, d'un chaman, Klaus-Michael Gruber. Avant de retrouver le texte de Racine, partageons quelques-unes de ses indications de jeu, si justes. Inventons quelque chose de chuchotant entre la gloire et le désordre. La parole, c'est parler seulement quand on a l'absolue nécessité de dire. Parler pour survivre. Savoir et tout oublier. Savoir tout et le vivre quand même. Tout n'est que phrase perdue dans la nuit. Et soudain tout commence dans la nuit. Des voix surgissent du néant. Tout commence à nouveau
et meurt à nouveau. Tout vit encore, ne mourez pas. Ayez un respect absolu de la pensée. Ne vous laissez pas étouffer par mes bavardages. Chut. Retrouvons désormais l'une de ces voix surgies du néant, celle de Bérénice. La pièce est créée en 1670 avec dans le rôle-titre Mademoiselle de Champmélé, la nouvelle muse et maîtresse de Racine, pour qui il écrira ses grands rôles féminins, Athalie dans Bajazet, Monime dans Mithridate, mais surtout Iphigénie et Phèdre. À l'opposé de Corneille, qui donne Tite et Bérénice une semaine plus tard, Racine dépouille sa pièce de toute action au profit des seuls sentiments. Dans sa préface, il confie vouloir montrer, je cite, « cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie ». Nous sommes à l'acte 4, scène 5. Amoureux de Bérénice, Titus ne peut tenir sa promesse de mariage, car la loi de Rome interdit qu'un empereur épouse une reine. Tiraillé entre la passion et la raison, il se présente honteux, presque hésitant encore devant celle qu'il va sacrifier à son ambition politique. « Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. » « N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voix. Il en est temps. Forcez votre amour à se taire, et d'un œil que la gloire et la raison éclairent, contemplez mon devoir dans toute sa rigueur. Vous-même contre vous, fortifiez mon cœur. Aidez-moi, s'il se peut, à vaincre ma faiblesse, à retenir des pleurs qui m'échappent sans cesse. Ou, si nous ne pouvons commander à nos pleurs, que la gloire du moins soutienne nos douleurs, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Ah, cruel! Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas! Je me suis cru aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu, cruel, que pour le rendre? Quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre. Tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous. Il était temps encore que ne me quittiez-vous. 1000 raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais, de ma mort, accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main. Leur haine, dès longtemps contre moi déclarée, m'avait à mon malheur dès longtemps préparée. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel, dans le temps que j'espère un bonheur immortel. Quand votre heureux amour peut tout ce qu'il désire, lorsque Rome se tait, quand votre père expire, lorsque tout l'univers fléchit à vos genoux, enfin quand je n'ai plus à redouter que vous. Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je pouvais vivre alors et me laisser séduire. Mon cœur se gardait bien d'aller dans l'avenir chercher ce qui pouvait un jour nous désunir. Je voulais qu'à mes vœux rien ne fût invincible. Je n'examinais rien. J'espérais l'impossible. Que sais-je, j'espérais de mourir à vos yeux avant que d'en venir à ces cruels adieux. Les obstacles semblaient renouveler ma flamme. Tout l'Empire parlait, mais la gloire, madame, ne s'était point encore fait entendre à mon cœur du ton dont elle parle au cœur d'un empereur. Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre. Que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner, mais il ne s'agit plus de vivre.
il faut régner. Eh bien, régnez, cruel, contentez votre gloire. Je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche, après mille serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche à mes yeux s'avouant infidèle, m'ordonnât elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu, je n'écoute plus rien. Et pour jamais, adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur et que de soins perdus? L'ingrat, de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimé. Vous verrez que Titus n'a pu, sans expirer... Ah, Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer? Je ne vous parle point d'un heureux Hyménée. Rome, à ne vous plus voir, m'a-t-elle condamné? Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? Hélas, vous pouvez tout, madame, demeurer. Je n'y résiste point, mais je sens ma faiblesse. Il faudra vous combattre et vous craindre sans cesse, et sans cesse veiller à retenir mes pas, que vers vous à toute heure entraînent vos appas. Que dis-je, en ce moment mon cœur, hors de lui-même, s'oublie et se souvient seulement qu'il vous aime. Vous ne comptez pour rien les pleurs de Bérénice. Je les compte pour rien. Ah, ciel, quelle injustice! Quoi? Pour d'injustes lois que vous pouvez changer, en d'éternels chagrins vous-même vous plongez. Rome a ses droits, Seigneur, n'avez-vous pas les vôtres? Ses intérêts sont-ils plus sacrés que les nôtres? Dites, parlez! Hélas, que vous me déchirez! Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez. Thank you.
Roland Barthes. Il me semble que le lieu racinien, son intérêt, c'est qu'il est ce que j'appellerais maintenant, alors je vais employer un mot nouveau par rapport à ses écrits anciens, disons un lieu indirect. Et c'est pour ça que c'est un lieu menaçant, n'est-ce pas ? La menace, c'est toujours quelque chose d'indirect. C'est un lieu indirect parce que justement, la scène à laquelle nous assistons se passe presque toujours, je crois, dans, disons, ce qu'on appelle une antichambre, n'est-ce pas ? Comme s'il y avait, au-delà de cette antichambre, un cœur, un lieu qui est au cœur de l'action, ou au cœur du pouvoir, ou au cœur de la mort, mais que nous ne voyons jamais. Et c'est cette présence, n'est-ce pas, comme disons, dans des spectacles terrifiques, c'est toujours ce qu'on ne voit pas, mais qui est là, qui est derrière le mur, derrière le voile, c'est cela qui menace et qui fait peur. Évoquons la dernière grande tragédie de Racine, Phèdre, un rôle que vous considérez, Ludmila, comme l'une des partitions les plus difficiles du répertoire. Créée en 1677, la pièce scelle à la fois le triomphe et le désaveu de Mademoiselle de Champmeslé. Après Phèdre, Jean Racine devient historiographe officiel et met fin à ses amours illégitimes. L'intrigue se résume à un nouveau cercle infernal. Phèdre est amoureuse d'Hippolyte, son beau-fils, qui est amoureux d'Aricie. Nous sommes à l'acte 2, scène 5. Apprenant la mort de Thésée, Phèdre, qui se croit veuve, déclare sa flamme à Hippolyte, son beau-fils. Voici cette scène d'aveu d'un amour monstrueux qui les conduira tous deux à la mort. Madame, il n'est pas temps de vous troubler encore. Peut-être votre époux voit encore le jour. Le ciel peut à nos pleurs accorder son retour. Neptune le protège et ce dieu tutélaire ne sera pas en vain imploré par mon père. On ne voit point deux fois le rivage des morts, Seigneur. Puisque Thésée a vu les sombres bords, en vain vous espérez qu'un dieu vous le renvoie. Et l'avare Achéron ne lâche point sa proie. Que dis-je ? Il n'est point mort puisqu'il respire en vous. Toujours, devant mes yeux, je crois voir mon époux. Je le vois, je lui parle et mon cœur... Je m'égare, Seigneur. Ma folle ardeur malgré moi se déclare. Je vois de votre amour l'effet prodigieux. Tout mort qu'il est, Thésée est présent à vos yeux. Toujours de son amour votre âme est embrasée. Oui, prince, je languis. Je brûle pour Thésée. Je l'aime. Non point tel que l'ont vu les enfers. Volage adorateur de mille objets divers qui va du dieu des morts déshonorer la couche. Mais fidèle, mais fier. Et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage. Cette noble pudeur colorait son visage lorsque de notre crête il traversa les flots. Digne sujet des vœux des filles de Minos. Que faisiez-vous alors ? Pourquoi, sans Hippolyte, des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite ? Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords ? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur, du fil fatal eût armé votre main. Mais non, dans ce dessein je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi, dont l'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Que de soins m'eût coûté cette tête charmante. Un fil n'eût point assez rassuré votre amante, compagne du péril qu'il vous fallait chercher. Moi-même, devant vous, j'aurais voulu marcher. Et Phèdre au labyrinthe avec vous, descendu, ce serait avec vous, retrouvé ou perdu. Dieu, qu'est-ce que j'entends ? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux ? Ça peut pas faire de mal. Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Marie Le Peintre, a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Un grand merci à vous, Ludmila Michael, pour votre immense talent.
et cette grande leçon de théâtre que vous nous avez donnée. Merci Guillaume. À la semaine prochaine. Bonne soirée.